Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, nouvel épisode de Spider-Man. Il manquait d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. Oui. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton tour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? On doit aller voir MJ parce qu'elle a sans doute fait des conneries. Telle qu'on la connaît. Et boum ! Donc j'espère que vous allez bien, on est parti avec Iker et des bruitages, Galerman, le retour bien évidemment, je suis là. C'est la soirée Spider-Man, nouveau départ. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on a un petit sac à dos à récupérer. Allons-y. Il est pas très loin. Désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table, du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Et boum. Alors... mais lance-toi, l'MK1. J'ai pas mal amélioré la capacité de stockage depuis, mais le design de base reste le même. Allez, go. Continuons. C'est parti. Par là, qu'est-ce qu'on nous avons à faire, hein? Un truc de Black Cat. On va peut-être commencer par ça. Oh, on y va. Bonjour, messieurs. Comment gars, ça va sympa, les parades, hein. Waboum. Il faut un permis pour ça. Au revoir. Terminus. Tout le monde descend. Vite, il y aura la bombe à l'air. Et on s'occupe du bus, du camion. Et vite, faut aller s'occuper de la bombe. Bombe dans le camion. Je dois la juste. Vite. C'est bon, t'inquiète. Oh putain. Bonjour, comment ça va? Bonjour à vous, monsieur les démons. Comment vous allez bien? Ça m'a fait mal, quoi, avec vous. What the fuck? Alors va falloir vous calmer monsieur avec l'épée là. C'est bon. Putain on est mort. Putain les démons à épée me font toujours halluciner à quel point ils sont forts. J'ai pris cher. Comme d'hab. Ah mais merde, ça va pas compter donc. Ah c'est dommage. My bad. Est-ce qu'il y a des trucs dans le coin? Il n'y a pas grand chose. Si, il y a un appareil photo. On y va. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Et ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Ou mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne m'a pas écouté. Et je pense pas que ça changera. À moins que des citoyens engagés, comme vous et moi, fassent suffisamment de vacarme. Manifestez-vous. Reprenez votre ville. C'est notre seule et unique garantie de justice. En plus, écoutez mon émission... Ah, c'est un territoire des démons. Beaucoup de monde sur le toit. Équipe déployée à Portside, ici le central. Il y a du nouveau dans votre... Coucou MJ. Bon, je suis passé faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cuistot à l'œuvre. J'arrive dans pas longtemps. Tu vas en prendre plein la vue. Oui, j'arrive. Salut. On peut se battre ou... Écoutez ça, bonjour. On peut se faire un barbecue. Passe-moi toi en arme. Tu as un petit arme. J'aime pas tes armes, les démons. Oh.
Salut. Ah, ça se rafraîchit. Je devrais entrer. Je vais quand même m'occuper de cette. Je vais quand même m'occuper très très rapidement de cette zone et après j'irai voir MJ. Tout le début était parfait. Oui, je suis dégoûté. MJ, je suis au premier endroit de ta liste. Devine ce que j'ai trouvé. Des démons. Et un bon point pour la demoiselle. Essaie de voir ce qui mijote. Moi, je vais aller me présenter directement. Sans danger. Oui. Hop. Bonjour. Danger. Est-ce qu'il y en a d'autres chopables sans danger? Il y en a deux là. On peut les choper rapidement. Ils ont entendu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bonjour. Bonjour. Tu as abîmé un de tes potes. C'est pas gentil ça. Oh, des renforts. C'était quoi ça, les petits potes? Bonjour, monsieur. C'est pas gentil, ça. Faut être gentil la prochaine fois. J'arrive. Oh, putain, le saut. On aurait des pouvoirs, monsieur. K.O. Bon. Bah, ça fait mal. Bonjour. Bonjour, monsieur. On veut tirer une roquette sur moi? C'est gentil. Mais sans façon. Ah, salut. Vous devez être les joueurs remplaçants. Encore une roquette dans ma gueule, mais c'est tellement gentil. Vous pensez vraiment bien à vos invités. Il reste donc encore un mec à roquette, donc faut que je fasse attention. C'était de l'autre côté, monsieur. Il est où le lance-roquette? Hep là, il est là. Bonjour. Du saucisson au repas, salut. Ouf. Désolé, mais chacun son tour, s'il vous plaît. Monsieur à la roquette, encore, on essaye toujours de faire le malin. C'est pas bien ça. Faut pas faire le malin. Roulement d'équipe? Ok, cool. Parce que vos collègues là, c'est pas reluisant. Bonjour. Oh la vague d'énergie. On l'avait vu, mais. C'est un repère de trafiquant d'armes à mon avis. Et au risque de te surprendre, elles n'ont rien de très artisanal. Très très faible en vie. Est-ce que Iker va encore crever comme d'hab? Je crois qu'il faudrait qu'Iker s'occupe des roquettes, ça pourrait être pas mal. Bonjour. Ah bah c'est pas là que je visais. Bonjour monsieur. Ah!
Comme d'hab. Comme d'hab, le Iker qui fail. Et faut tout recommencer là. Non, je suis à vague 1 sur 6. Ouais, faut recommencer. Bonjour monsieur. On a de la visite. Qui c'est qui m'a vu? Personne. Merci. Alors ici, pour les gérer, c'est de là. C'est pas folichon, quoi. Pour les avoir, ce que je peux faire, c'est essayer d'en attirer un, l'autre le choper juste derrière, mais le problème c'est que les deux bougent. Ce qu'il faut, c'est que j'en fasse bouger qu'un seul. Pour cela, il faut que je... Enfin, faut que j'en fasse bouger qu'un seul. Faut que je tire là. Et que dès qu'il y en a un qui se retourne, je chope lui. Voilà. Merde! Mais putain, les roquettes! Ok, d'accord. Vous venez? Allez, je te fais remonter, t'inquiète pas. Rejoins tes copains. Il a sauvé. Bonjour! Faut pas s'en aller! C'est méchant! Vous êtes invité! Faut rester! Ça doit faire mal! Rock'n'roll! Bonjour. Non, pas le temps. Roulement d'équipe? Ok, cool. Parce que vos collègues, là, sont pas reluisants. Eh, ils étaient pas très fous. C'est vrai. Cet endroit est censé être un atelier de fabrication de meubles sur mesure. Ça ressemble plus à un repère de trafiquants d'armes, à mon avis. Et au risque de te surprendre, elles n'ont rien de très artisanal. Bonjour. Les hipsters assassins vont être déçus. Boum! Salut mon pote! Au revoir. Bonjour, monsieur Lance Roquette. Comment allez-vous ?
C'est pas que ça me gonfle de vous voir débarquer, c'est que... Ah bah non, attendez. Eh si, 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 ça me gonfle. Ouais, ouais, c'est ça. Un mec à info. On les aime pas, ceux-là. Bonjour. Pas qu'on aimerait avoir un peu de concentration, mais on aimerait bien en avoir. Pouvoir se soigner, merci. C'est gentil. Bonjour, monsieur Bouclier. Oh, salut. Encore des démons. Dernière ça vous dirait pas qu'on mette les choses à plat ou tourne un café? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu m'as fait mal. Sache-le. Pas la roquette, pas la roquette, j'en peux plus. J'en peux plus de vos roquettes de merde, bordel! Il est où? Vilain monsieur, vilain! C'est pas bien! Bonjour monsieur Lafo. Je vais encore crever. Je vais encore crever, je vous le dis moi. Non, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est trop dur. Bon bah on y va hein. On recommence. J'y arrive pas hein. Que voulez-vous? C'est vraiment difficile en mode moyen de jeu. Pour moi c'est dur hein. Il y avait un lance-roquette là-bas. C'est lui je pense qu'il fait bien. Ah, y en a un autre, j'en ai plus un autre. Il est là. Bonjour. Ça y est, un lance-roquette. Il faut jamais m'en occuper. Oh, ouais. Oh, il y en a un haut aussi. Bonjour, monsieur. J'ai dit, les lance-roquettes, j'en veux plus. C'est ce qui me fait perdre à chaque fois. Mon équipe ? Ok, cool. Parce que vos collègues, là, c'est pas reluisant. T'inquiète. Ça ressemble plus à un repère de trafiquant d'armes, à mon avis. C'est bien des meubles. Au risque de te surprendre, elles n'ont rien de très artisanal. Nos hipsters assassins vont être déçus. Bonjour. Pouah. J'en ai pris en pleine gueule celle-là.
C'est quand même dangereux pour tes copains. Oh putain, la vague d'énergie, j'ai esquivé. Toi, avec ta faux de merde, là, tu te prends pour la faucheuse. Thanatos, c'est dans Smite, hein, pas dans Spider-Man. Merci. C'est pas que ça me gonfle de vous voir débarquer, c'est que... Ah bah non, attendez. Eh si, 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 ça me gonfle. Je monte. Allez, prochaine. Putain, le double faux là, ça fait trop mal. Non. Je vais encore crever, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Arrêtez avec vos roquettes de merde, mais vous me saoulez là. Y'a que ça dans le jeu. Bonjour. Encore des démons. Ça vous dirait pas qu'on mette les choses à plat autour d'un café? Bonjour monsieur Boutillet. La roquette esquivée. T'es où le Rocketman? Là. Ça dégage, j'ai dit. Tu sais te battre. Tu as beaucoup d'énergie. Pourquoi je suis en mode appareil photo, merci. Et boum, terminé. MJ, tu peux appeler la police. Le site est sécurisé. Bien joué, chaque fois qu'on arrive à retirer des armes de la circulation, c'est une victoire. Et boum, entrepôt des démons terminé. Réussir 3 éliminations silencieuses. Mais je les ai pas faites au début. Non, c'est vrai que je les ai pas faites. Et zibizi, du premier coup, exactement, du premier coup, comme d'hab, hein, comme d'hab sur Laker TV, sur Spider-Man, on est vraiment monstrueux. Non mais j'aime bien le jeu, mais putain, c'est chaud, hein. Les roquettes et tout, et puis j'ai pas envie d'utiliser trop de gadgets, j'aime bien enchaîner les combats, c'est vraiment bien. Peut-être que si vous êtes chaud, après avoir fait le let's play en mode normal, on le fera en mode dur. Non, je déconne. Hop. Allez, on va rejoindre Mary Jane. Zuberti, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Vraiment désolé. Pardon. Excusez-moi. Je repars. Un petit peu plus de hauteur. J'ai reçu une information intéressante aujourd'hui. Oui, vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Bonjour. Pétez dans les cibles. Bonjour monsieur. Faire deux coups de grâce. Ok.
faire deux coups de bras. Vous en avez pas marre avec vos lances Pokémon. Elle est là, le lance. Il est là, le lance Pokémon. De faire deux coups de grâce. Et ben voilà le deuxième coup de grâce. Lancer 5 objets sur les deux. Normalement, c'est fini les objectifs. Fusillade sur des postes militaires. C'est pas le New York qui m'est familier. C'est la rue. On a un truc de Black Cat ici. Tiens. Ces caméras sont pas données? Si Felicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner? J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. Alors, Black Cat. Ici. Le voilà. Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Et boum, quête terminée. 100 XP. Bon, il est peut-être temps d'arrêter de faire patienter. On y va. Let's go. La milice privée qui galère en 10 verres. C'est ça. Putain, les avions, ils se frôlent, mon pote. Hein. Dans la réalité, je suis pas sûr que ça soit autorisé, mais... pourquoi pas. C'est vrai qu'après d'un aéroport, si c'est possible. Comment ça se passe à Union Square? L'avant-poste est assiégé par les démons. Ouais, bah j'ai pas que ça à foutre, hein. J'ai un rendez-vous amoureux. Pardon, j'ai un rendez-vous avec mon ex. C'est parti. C'est parti. Ils vont peut-être se cracher sur des tours. Mais là... Peter! Tu vas jamais vouloir me croire. Oula. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Ah, on va la jouer. Je savais qu'elle avait fait une connerie. Je savais. On va jouer, MJ, là. Ah là là. Plutôt dans la journée. C'est l'adresse que Peter a trouvée. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit? Dans ce bureau, il pourrait y avoir un élément en rapport avec Lee. Il faut que j'entre dans ce bureau. Hein? C'était quoi? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. D'accord. J'ai failli tuer un rat. Je dois virer ce type de mon chemin. Martin Lee paye vraiment le patron? Ouais. On fabrique cette bête de guerre pour Lee. Lee finance la nouvelle caméra. Comment je fais?
Vous pouvez pousser certains objets à gauche ou à droite, ouais, pour attirer. Tu devrais faire des soudures plus propres que ça. Si le patron voit ça, il va enrager. Comment je fais? Hé, hey, j'ai entendu un truc. Il faut que j'entre dans ce bureau. Putain. Et sinon, il fait quoi le patron avec le blé de Martin Lee? Qu'est-ce qu'ils construisent? C'est pour aller tout ça? Le greffe d'ost, mon pote. Tout le pognon va directement dans le greffe d'ost. Attention. T'as déjà testé? Le greffe d'ost. La trompe sans ce mélange. Et je te jure, sans moi. C'est moi où il y a une. Non! Je suis peut-être allé un petit peu trop vite. En besogne. On va y aller plus doucement. Mais sinon, il fait quoi le patron avec le blé de Martin Lee? Qu'est-ce qu'ils construisent? Okay. C'est pour Lee tout ça? Le greffe d'ost, mon pote. Tout le pognon va directement dans le greffe d'ost. Déjà testé? Que des échantillons. Le patron bosse encore sur le mélange. Ok. Et je te jure, sans moi. Est-ce que je peux pousser le truc? Est-ce que ça vaut le coup de le pousser maintenant, par là? Ou est-ce qu'il va pas marcher? C'est bon, tout est ok. Tout en douceur. Hé, hey, qu'est-ce que c'était? Quel genre d'engin a besoin de pneus aussi gros? Elle est où? Ah, je suis sûr que je l'avais laissé là. Rien. T'as vu la clé de 12 quelque part? Ok mon pote, tout va bien. Depuis quand on a une nouvelle scie sauteuse? Ah, ce type a pas l'air de vouloir bouger. Je peux peut-être le distraire. Hé, hey, quelqu'un a pensé à racheter de la bière? Ouais, je suis quand même un petit peu dans la merde là. Il y a un mec à gauche, il y a un mec à droite. Mais merde. Elle est où? Je suis sûr que je l'avais laissé là. Comment je fais là? Hé, hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Quand on a une nouvelle scie sauteuse. Allez, allez, allez. J'ai entendu un truc. Ouais, bah ouais. Tu vas sur la droite, je crois. Quelqu'un a pensé à racheter de la bière. C'est quoi ça? Un genre d'équipement militaire. Tranquillou, Bilou. Voilà le bureau. Et il y a beaucoup de monde devant. Mais c'est une blague, là. Au secours! Pourquoi le patron tient à ce point à ce qu'on mette des puces GPS partout? C'est pour protéger la cam. Il veut pas que la recette du greffe d'ost sorte ici. Tout va bien. Ouais, il est un peu parano. On te demande pas ton avis. Au boulot. Il va aller à gauche, non? Non, il va à droite, c'est bon. On aille chercher du produit. Quand on a quelqu'un là. Quand on aura acheté les bidons vides. Le patron veut qu'on les balance tous dans le marais avant la semaine prochaine. Tiens à garder le greffe d'ost sous la table. Quelqu'un là, doigt semble important. Alchemax? Pourquoi ça me dit quelque chose? Je sais pas. Sous la table, le plancher. Et les what the fuck, ma pauvre. Complètement bourré la petite à faire ça. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Patron, les pieds! Libérateur! C'est vrai, Eric. Il verra rien. Oh, parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça! T'en as
si ça va durer. Oh putain. Quelle cruelle déception. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. T'as réussi, ouais. Bravo. Mais maintenant, comment tu vas faire pour sortir ? Des plans. Un VBT. C'est ça qu'ils construisent pour lui. Allez, allez. Pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule ? Et voilà. Un véhicule blindé. Des balises GPS. Pour les faire sortir de prison. Pourquoi Tombstone en aurait besoin ? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. Oh, putain. C'est l'heure de partir. Yes ! Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai ? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai ? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... Pourquoi ? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte ? Genre, la fille araignée ? La femme araignée, non, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Pas encore ! Hé, ah. C'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh ! Le comptable de Scorp. Attends. Tu crois que ça a un rapport avec Lee ? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine ? Où est-ce que tu veux que... Là, poste-toi sur le canapé. Bon, on se voit plus tard ? Ouais. Et c'est parti ! Boah. Allez, let's go. Et boum! On décolle! Niveau 19. Salut, c'est moi! Il est dingue, ton curry! Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup, on est partenaire ou pas ? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire ? Ça rend pas mal. Ok. Alors, à plus, partenaire. Allez, tout.
Faisons une mission un petit peu d'écologie. Toujours important l'écologie des enfants. Cette station collecte les données excédentaires des autres. On ne gâche rien chez Oscorp, même l'espace serveur. Bref, assure-toi que tout fonctionne correctement, sinon les autres stations ne serviront à rien. L'espace sur le serveur est insuffisant. Il est proche de la surcharge. Ça va déclencher le formatage et toutes les données d'Harry seront perdues. Je dois empêcher ça. Une minute. L'ESU a un serveur de secours qu'il n'utilise jamais. Il pourra se charger de l'excès de données. Mais je vais devoir réaligner les paraboles pour établir une connexion. Et vite. Et vite. Le récepteur actif est facile à trouver. Bon, je dois trouver un autre lien dans le réseau. Voilà. J'ai plus qu'à continuer comme ça. Oh, stylé. Ah, c'est stylé. C'est bien. Hein ? Qu'est-ce qui prend tant de place sur les serveurs d'Harry ? On dirait un séquençage ADN. Mais ça dépasse complètement le champ d'action des stations de recherche. Et boum. On décolle les bottes. Et on arrive. Concentre-toi. On se fiche de ce qu'il y a sur le serveur si tout est effacé. Ça va se dépêcher. Presque. Allez, j'ai pêché. Obscur. Je suis un peu fail. On arrive. Allez, 6 sur 8. On avance. Je devrais voir le serveur de l'ESU maintenant. Allez. Les derniers. C'est bon. Et boum, les potes, terminé. Je l'ai. Je vais pouvoir lancer le transfert de données. Si je me dépêche. Allez, vite. Tout va bien. Let's go. Ah, bah ça faisait longtemps. Ah, ça on aime, ça vous le savez, on aime plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. On va commencer d'abord par les lignes droites, parce que les lignes droites, on est obligé de les mettre ici et ici. Bon, ça ressemble déjà à un truc qu'on avait déjà fait. Donc là, derrière, on sait forcément que c'est dans ce sens-là. Là, c'est forcément dans ce sens-là. Là, c'est forcément dans ce sens-là. Et là, c'est forcément... dans ce sens-là. Tout va bien. Et maintenant, tranquillou bilou. Prenons d'abord celle qui fonctionne dans les deux sens. C'est plus facile. Bien. Voilà. Tac, tac, tranquillou bilou. Le génie du game. Alors, on n'est pas très doué dans les combats. Hein. On n'est pas très doué dans les combats. Mais tout ce qui est bac moins 10, ça, on y arrive à peu près. Bac moins 10, bien évidemment, ça, c'est fait. C'est faisable. C'est faisable. Voilà, il reste plus qu'à faire tension visée 2 et nous sommes à 0. Donc il faut mettre plus ici. Ici il faut mettre une 3. Ok. Ici on met une 3. Une 3. Pourquoi je peux pas? Je suis là. Ah, je peux pas. Donc bien. 4. Et ça fait 3, et ici il faut donc que je fasse une 2. Ça n'existe pas. Réfléchis, Iker. Ah. Je mets ici une moins 3. Bon. Et voilà. Tout va bien. Allez, let's go. Ça marche. Et oui. Tout est stocké en sécurité. On a Roxy. Ça devrait permettre d'attendre jusqu'à ce que Norman accorde plus d'espace à Harry sur les serveurs.
Il ne regrettera pas quand il verra sur quoi travaillent les stations. 2 plus 2 égale 22. Bien joué, les gars. Les rois des maths. Les viewers de Liker TV sont exceptionnels. Tout comme le streamer. Ou pas. Alors, on est parti. Tac. On est parti. On y va. Allez, on va continuer un petit peu l'histoire principale. On va juste voir s'il y a un petit sac, quelque chose, on le ramassera. Il y a un sac là, mais il est où? Il est loin ou... Ah, il est là. On va aller chercher. Il est juste après ce bâtiment là. Ah, il est là. Quand même loin. Bonjour. Où es-tu? J'entends une balise. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je suis venu faire les ordures. Oh. Ça y est. On sait que me balancer au bout d'un film me permettrait de livrer des pizzas plus vite. C'est le cas, hein? Mais dans quel état? Dans quel état la pizza, ouais. 31 sur 55 trouvés. On avance bien au niveau des... Et si on a du travail, est-ce que... Ouais, j'y vais. Ne vous inquiétez pas. Coucou, c'est moi. Il a mal à se tirer dessus. Les enfants, puisque vous n'êtes pas gentils, je vous confisque vos jouets qui font bobo. Faut faire des frappes aériennes. Et voilà. Maintenant on peut finir à la fun. Bonjour. Coucou. Oh, ça faisait un peu flash. Je crois que c'est bon. Tout le monde va bien? Les démons se battent comme s'ils étaient possédés. Dans un truc Spider-Man, il faut Marvel, faut pas parler de Flash. On aurait dit vif argent. Quicksilver. Mauvais signe. Très mauvais signe. Allez, go. Hein, la scène de Quicksilver dans les X-Men, l'une des plus belles scènes des X-Men. Très clairement, elle est trop classe. Allez, let's go. Et boum! Allons sauver le comptable! Je dirais que les policiers ont besoin d'un coup de main. J'arrive. Bonjour, j'arrive.
passe. Allons-y. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. On occupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Hop. Prenons mes petites grenades que j'adore. Quelqu'un était pressé. Spider-Man ! Oui, j'arrive. Vous inquiétez pas. Vous êtes blessé ? Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Mais quelle bande d'abrutis avec votre truc comme ça là. Coucou ! Eh ben, content de vous voir. Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage. What a... Allez. Je le dis à chaque fois, mais... Oh, salut mon pote. Un deuxième coup. Voilà. Toujours le deuxième coup. Bonjour monsieur, vous avez des points illuminés. Au revoir. Ouais monsieur là avec les boucliers. Vous allez vous calmer oui. Voilà, plus de boucliers. Non mais tu vas pas le ramasser non plus, non mais oh. Pour qui? Si je te l'enlève des mains, faut que t'arrêtes de jouer avec. Un vrai gosse quoi. Il brise son jouet, il court après, il va chercher un deuxième. Bonjour. Barre de concentration pète. Bonjour. Au revoir. Comment ça? Vous bossez là vous aussi? Ah bah il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment. Oui, il protège bien les... Coucou. Oh, ça doit faire mal. Le fameux brut. La brute, on s'en est occupé. Bonjour. Bien tenté, mais raté. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Oh, ils veulent que je prenne l'ascenseur. Allons-y donc. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Salut. Et boum. Ok, on est arrivé. J'y suis presque. Restons dans la pénombre. À la foutre ! Speedrun. Pourquoi je peux pas ? Ah. Merde. Voilà, doucement. C'est qu'il est haut ce bâtiment.
Des bombes incendiaires? Sans blague! Pas bon, what the fuck, les potes? C'est bon, on est arrivé. Facile. On est enfin arrivé. Voilà Standish. Très bien. Merde. Et maintenant? Entrez le mot de passe. Il faut se dépêcher. Soyons discrets. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Bonjour. Et de 1 et de 2. Alors. Oui, nous avons la possibilité d'aller là-bas directement. Je prends celui-là d'abord. Et ensuite celui-là. Tout va bien. Est-ce qu'il faut récupérer les autres ou on peut y aller? C'est quoi l'objectif? Éliminer les ennemis dans le penthouse. Ok, d'accord. Pour cela, je dois plutôt être discret. Bonjour. Bonjour. Ah, mais vous m'avez vu? Ah, qui est plus rigolo alors? J'arrive. Ah mais non, mais c'est pas du jeu, vous avez des jouets avec vous. Moi aussi je peux utiliser des jouets, regardez. J'arrive avec mes jouets, regardez, attendez. Moi aussi j'ai des jouets, regarde, je peux les utiliser. J'ai des jouets plus gentils que les vôtres. Décoller. Et vous? Ah bah vous êtes plus décollable. C'est bien, vous avez fait régime. Bien. Allô. C'était ça que je voulais faire. Il veut pas. Mais Spidey, il est bugué. C'est bon. Bonjour monsieur. Il y en avait pas un autre à côté de vous? Il est parti. Je dois faire le ménage avant de parler à Standish. Ah. Coucou! Jouer, Spidey. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. C'est bon. Oh, il y a un truc explosif sur la porte. Oh putain. What the? Esquiver. Oh. Un épéiste. Calmez-vous, monsieur. Vous êtes méchant. Ouais, je vais aller sur lui. Pas content, je m'occupe de ton pote alors. Je m'occupe de toi à la fin.
Il a tout esquivé. C'est un surhomme. Dégagez, monsieur. Tout va bien. Honnêtement, je la trouve plus... Essayons encore une fois. Ça va péter, il y avait un truc sur le... Ah non, c'est bon. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable ? Qui vous a parlé de ça ? Pourquoi ils veulent s'en emparer ? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié des fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui lui ? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous ! Attention. Là, c'est Oscar qui peut éviter si vous voulez venir. Allez, allez ! Non, l'ascenseur est ! Oh putain ! Ah, presque ! Essayez de tomber moins vite ! T'inquiète, Spidey, on va y arriver. Je vous tiens ! Tout va bien ? Oui. Il va y avoir un ascenseur. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. C'est bon. Yes. Et boum. Conseil suivant, utilisez les jets d'objets sur les ennemis armés de fouet. Salut Yuri. Tout va bien ? Ouais. Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire... L'inspecteur Spider. Yuri ? Oh, c'est pas sympa. Et boum ! Voilà pour l'objectif de cet épisode. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Standish ? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons ? Il recherchait un nom. T'as de quoi noter ? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui ? Et pourquoi lui ? Ah bah j'espérais que tu me le dirais. Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode de Spider-Man PlayStation 4. J'espère que vous appréciez ce jeu extraordinaire. On se retrouve plus tard. Ciao.